Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va faire ensemble pas à pas un album photo de chez Scrap Colors. Donc autant vous dire que c'est un album que depuis que je l'ai reçu, il me tente trop de le faire. Donc en fait c'est un album tag. Je vous montre ce que ça donne. Alors hop. En fait, ça va comme ceci. Donc là, ce qui change, parce qu'en fait, c'est une boîte. Et à l'intérieur, il y a les tags. Voilà. Donc moi, perso, j'adore cette idée. Je trouve qu'elle a de très, très bonnes idées. Pour celles qui sont nouvelles, qui ne connaissent pas Scrap Colors, c'est une boutique en ligne qui fait des kits albums photo. C'est juste une merveille. Moi, je sais que j'adore leurs produits. Ça fait des années que je les connais et je m'éclate à faire leurs albums. C'est des albums qui créent eux-mêmes. Donc, du coup, c'est vraiment... y a que chez eux qu'on les trouve. Voilà, ils font aussi des découpes et tout. C'est juste une tuerie. Voilà. Vous avez le lien dans chaque vidéo en barre d'infos. Vous avez mes quelques boutiques chouchoutes et chaque fois je vous mets les liens. Voilà, et du coup là, voilà comment ça se présente. Donc il y a toutes les pièces assemblées. En général, moi qui suis pas très montage et tout, ces kits, moi j'y arrive facilement. Donc si j'y arrive, c'est que c'est facile parce que je suis pas très douée pour les montages. Donc mais ça se fait tout seul. Donc là, il y a le plan. Voilà, ça c'est. À quoi ça ressemble une fois monté mais pas décoré. Vous avez à chaque fois les embellissements. Voilà, et donc on va essayer de faire ça ensemble. Voilà. Donc là nous avons les embellissements que je vais mettre de côté, on le verra après car je vais d'abord monter la boîte. Voilà. Comme ça, ça se sera fait. Donc vous voyez ça, c'est pour monter la boîte. Et ça, c'est les tags à décorer qui viendront dans la boîte, tout simplement. J'adore. D'ailleurs, je vais leur en recommander un autre. Ou je le prendrai au Salon Créatif de Toulouse. Parce que là, comme je vais partir et tout, peut-être... Peut-être que j'attendrai octobre, puisqu'en octobre, ils seront au Salon Créatif de Toulouse. Du coup, parce que j'ai une idée avec ce kit, mais pour une autre collection de papier. Donc, je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais même peut-être j'en achèterai deux, puisque j'ai plusieurs idées avec ce kit. C'est juste une tuerie. Voilà. Donc, ça. Ensuite... Je vais la travailler avec une collection de papier de chez Mintei by Carola. Et là, ça va être très très dur parce que vous allez comprendre en voyant les papiers. Donc là, bon, là encore, ça va. Là aussi. Mais là, ça se gâte parce qu'alors, pour arriver à couper là-dedans, ça va être trop dur. Ouais. Bon, derrière, ça va. Là, ça va. Ça a découpé. Derrière, c'est correct, c'est facile, là aussi, mais là, ça se gâte aussi, parce qu'en fait, vous voyez, c'est un peu trop dur de couper. Voilà. Encore celui-là, ça peut passer, mais la porte, ça va être dur. Donc voilà, derrière, donc c'est la collection Harmony de chez Mintei by Carola. J'adore ces étiquettes comme ça. C'est juste une tuerie. Là aussi, ça va être trop dur. Ouais. Mais bon, ça. Et après, c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Parce que ça marche par deux. Pour info, cette collection de papier, le kit, vous trouvez tout chez Scrap Colors. Donc vous avez le lien en barre d'infos. Donc ah oui, et elle m'avait mis aussi je vais le retrouver des découpes comme ça,
de chez Taille by Carola aussi à découper. Donc il y a deux côtés. Bon, elle a été super gentille parce que du coup elle m'en a mis un de chaque, comme ça je peux découper sur les deux côtés. C'est trop trop bien, c'est trop gentil. Donc on va y aller. Alors on va s'occuper de monter la boîte. Alors pour monter la boîte, faut déjà choisir qu'est-ce qu'on va mettre. Donc au fond, je pensais y mettre la porte, tout simplement. Donc, je vais la retrouver. Voilà, voilà. Je voulais y mettre la porte. Donc en fait, vous voyez, la placer comme ceci. Je ne l'aurai pas entière, c'est sûr, mais bon, au moins juste la porte, voilà, pour la mettre au fond. Donc je pense que je vais faire comme ça, puisque là je vais pas avoir trop le choix. Donc ce que je vais faire, et bien sûr, en plus je retrouve pas ma petite trousse avec tout, donc j'ai pas de ciseaux. Avec quoi je vais faire? C'est quoi ça? C'est... On va marquer là. Je vais juste marquer pour savoir où couper. Donc là. Non. Alors vous n'allez pas le voir, hein, mais j'ai marqué, j'ai fait des petits traits. Et je vais venir couper en essayant de pas trop me louper. En plus, il fait sombre puisqu'il fait froid. Il fait chaud, pardon. Là. J'essaye de pas trop couper là au cas où, parce que ça pourrait servir. Et donc là, vous voyez, j'ai pas un truc assez fort. Là, je vais couper celui-là déjà, au moins comme ça je le verrai bien, puisque là je vais là. Ah, je me dis que ça va être compliqué de couper, et donc là je vais me caler et on va essayer de couper comme ça. On va essayer de faire ça. On peut. Alors, bien sûr, je pense qu'il y aura plusieurs parties. Donc là, je vais couper. Excusez-moi. Donc voilà. Alors là, je vérifie que ça passe bien. Hop. Voilà. Et maintenant, on va venir le coller dessus directement. Donc, je vais prendre ma taquiglée comme d'habitude. Et là, on va venir en mettre partout. Moi, je mets bien de la colle, parce que j'aime bien que ça colle bien partout.
surtout au bord. Là. Et là, j'ai plus qu'à venir le coller. Donc, on essaye d'être droite. Là. Et là, on vient appuyer très fort. Là, je prends une lingette pour bien essuyer la colle. Alors, bien sûr, après, on le fait avec d'autres collections de papier, ce qu'on veut. Moi, j'adore cette collection-là. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, on va laisser sécher un tout petit peu. Et puis, on va venir couper. Allez, bien sûr, j'ai pas de cutter. Donc, alors là, je vais venir découper autour. Donc, hop. On appuie bien autour. On se cale. Et on coupe. Bien sûr, celui-là, il ne coupe plus. Et là, pareil, on vient. Là, on vient juste couper aux encoches pour que ce soit plus facile après. Bien sûr, après, on peut le faire après avoir monté la boîte. Moi, je préfère le faire avant, c'est plus facile, je trouve. Vaut mieux perdre 5 minutes à découper autour et même les encoches. Moi, je trouve que c'est plus facile. Mais bien sûr, chacun après fait comme il veut. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ces kits. Mais bon, celles qui me suivent le savent. Il me tarde trop de les voir à Toulouse. Il va falloir que je mette de côté d'ailleurs. Parce que là, ça approche. Donc, voilà. Comme ça, on n'aura plus à qu'à coller de l'autre côté. Donc ça, ce sera l'intérieur. Donc il y aura la boîte, voilà. En gros ce que ça va donner. Hop. Voilà. Et maintenant on va décorer le reste, ce qui va être dur parce que ce papier est trop trop beau. Donc ça va être très dur. C'est dommage là. Sinon, on peut coller là pour l'intérieur. Et alors là, ça va dans ce sens là. C'est trop dur, franchement, c'est trop trop dur. On pourrait coller là pour l'intérieur. Ouais, on pourrait se servir de ces deux là. Allez, mais du coup je vais couper là. Ça, bien sûr, on le garde. Et du coup, ben, je vais venir couper. Alors, je coupe la bande, puisqu'elle ne sert pas à grand-chose.
Et là, on va venir coller le premier. Et après, on viendra coller le deuxième. Allez, hop. Alors, pareil, on met de la colle partout. Et là, on vient se mettre au bord. Aillette, pour m'éviter après de découper, ben, on laisse sortir les bitonios, là, les... Comment ça s'appelle? Là. On essaye d'être droite. On vient appuyer. C'est exactement le même principe. Donc j'appuie bien partout. Et là, je viens couper. Alors vous pouvez bien sûr attendre que ça sèche. C'est plus facile. Là, je vais faire le deuxième en attendant que celui-là il sèche un peu. Donc, pareil. Hop. Là. Et pareil, on se cale au bord et on vient appuyer. On essuie un peu si on voit qu'il y a trop de colle qui sort. Bon, voilà. Et là, on prend et on découpe autour. Alors là, bien sûr, on peut faire l'extérieur ou l'intérieur, ça c'est au choix après. Donc voilà ce que ça. Et là, ça va venir se mettre ici. Bien sûr, on pourrait très bien aussi le mettre par l'extérieur. C'est comme on a envie. Mais peut-être je le ferai après, je verrai. Des fois, je change d'avis hein, après. Voilà. Et là, comme je n'étais pas à droite, je viens juste couper. Non, voilà. Mais là, pareil, on pourrait très bien le mettre de ce côté ou on peut le mettre de là. Après, ça, c'est vraiment au choix. Donc ça, ça, bien sûr, ben, on le garde. Hein. Ça peut servir. Même, je ferais bien une carrière avec celui-là.
derrière pour éclaircir un peu peut-être. C'est pas. Vous voyez comment je fais le devant d'abord. Bon, on va voir le devant d'abord parce que ils le font. Alors, je veux pas que ça passe trop chargé non plus. C'est pour ça que ça, c'est un peu compliqué. Sur l'extérieur, déjà sur le fond. Ouais, déjà sur le fond, on va faire ça. Et l'autre, bien sûr, il n'y a pas assez. Et là, si je fais ça. Voilà, on va coller. Alors, il y a un côté que je vais pas faire les encoches et l'autre côté que je découperai les encoches après. Donc, je vais bien sûr faire où je découpe les encoches avant. Ça va faire trop. Allez. Non, du coup, ben, je prends. Et je viens le coller. J'ai choisi ce papier parce que comme ça, ça permettra d'éclaircir un petit peu le bleu. Ça fera moins chargé. Parce que les papiers sont très chargés. Après, bien entendu, c'est une affaire de goût. Donc, ben là, on vient couper. Donc ça, ce sera comme ça. Là où il y aura la boîte dessus. Donc là, je regarde bien que je sois bien partout. Là, ben, je vais venir couper mes encoches. Et là, ben, on va venir essayer de redécouper.
Celui-là, je ne l'ai pas coupé. Comme ça, on prendra une cutter qui taille, hein, du coup, pour faire ça. Vous voyez, là, j'ai juste prédécoupé, en fait, et du coup, ça se coupe tout seul. Voilà. Et là, le dessous... voyons si le... celui-là passerait. Je vais faire celui-là. Celui-là, je le ferai pas bien bleu le dessous. Voilà. On va coller. Donc je le retourne. Bien sûr, on pourrait prendre celui-là aussi. Je peux en faire l'intérieur comme ça et l'extérieur. Ouais, on va faire ça. Et du coup, l'extérieur, il le faut dans ce sens-là. Et oui. Il le faut dans ce sens-là. Puisque là, les dessins, ils vont comme ça. On va faire ça, on va bien voir. Donc, non, je fais des bêtises en plus. Je fais d'abord l'intérieur. Puisque c'est l'intérieur qui fait que je vais couper d'abord les petits morceaux là. Non, pareil. Donc là, celui-là, on va le coller comme ça. Ce qui est passé, on va pas s'embêter. Donc ça, ce sera l'intérieur. Non, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Que des bêtises. Dans ce sens. Donc là, comme ça colle un peu, on passe la lingette, on vient appuyer comme il faut. Et on vient couper. Alors bien sûr, normalement, vous attendez vous que ça sèche. Hein? Faites pas comme moi. C'est mieux.
On va monter la boîte ensemble et après je ferai une autre partie pour les autres, pour le reste. Sinon ça va faire beaucoup trop long. Déjà je pense que ça fait un petit moment qu'on y est. Non, voilà. Ben là, on va coller maintenant le devant, donc comme ceci. Voilà, c'est parti. Je vais faire un truc simple, je vais pas faire beaucoup de rabat ni rien là, puisque je trouve que le principe est déjà très bien. Donc on va faire un truc relativement simple. Sans trop de rabat ni rien. Donc ça. Là, on va juste par contre découper après. Au niveau là, puisque il y a les encoches. Là. Et donc là, on va venir couper à ce niveau-là. Donc voilà, là j'ai recouvert les encoches, hein, puisque ça va être le devant. Donc voilà, ça va venir se mettre comme ceci en fait. Ça. Après, il y aura la porte derrière. Voilà. Et les côtés. Comme ça, on verra. Donc, je regarde où j'en suis, puis on voit si on télécharge où. Donc, alors là, j'ai collé le papier partout, hein. J'ai ancré avec la... Là, j'ai pris l'archival parce que je ne sais pas où j'ai mis l'autre, la memento. Donc, j'ai collé des deux côtés. Ancré, on va juste coller là et on va monter. Et après, j'arrêterai pour la première partie. Donc, derrière, j'ai choisi de mettre celle-là, image. Donc, comme pour le reste, on va juste venir... mettre de la colle. Donc moi j'en ai assez, hein, maintenant. Hein?
je retourne ma page, pas me tromper de sens. Et là, je vais venir coller au bord pour essayer de garder le plus, de gaspiller le moins possible en fait. Et droite, je retourne mon papier. On vient appuyer. Donc là, j'ai choisi bien le côté, comme ça je garde une bonne partie de la fenêtre avec l'oiseau pour les autres pages. Et donc là, on n'a plus qu'à venir couper. Donc là, je vais droit, hein, je ne coupe pas les encoches. Du coup, on a quand même la moitié de la fenêtre. Et donc là, pareil. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bien sûr, je viens l'ancrer. On n'est pas obligé d'ancrer. Hein. Moi, pour celles qui me suivent, savent que ben, j'ancre tout. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé si vous voulez pas ancrer. On aurait pu prendre du marron aussi, hein, du vintage. Moi, j'ai préféré le noir. Parce que je trouve que le noir, ça fait plus ressortir les couleurs. Ça met plus en valeur. Mais bon, après, chacun le voit à sa façon. Comme d'habitude, de toute façon. Pareil, on pourrait très bien le faire aussi en mix média. Hein. Il y a plein de façons de le faire. Donc voilà, on la rangera après. Et là, ben maintenant, on va venir le monter. Alors, moi, je vais faire avec la colle à bois. Donc moi, elle vient de chez Keepers parce que ben, j'avais que ça. Et donc, je vais venir mettre de la colle au bord. Je n'aime pas trop la colle. J'ai du mal à m'en servir. Là, ben, je viens le coller. Donc, on vient juste glisser ben, dans les encoches, tout simplement. Là. Hop. Je vais mettre le coup pour le tenir le temps que je colle le reste. J'avais dit quoi celui-là? Là. Donc là, ben. Donc là, je colle sur les côtés. J'arrive pas à le clipper. Voilà. Donc là, bien sûr, je le maintiens et j'y suis comme je peux. On va mettre l'autre côté. Donc celui-là, j'avais dit que ce serait celui-là. Pareil.
colle. Et on vient le triper. Le mieux, c'est d'essayer de mettre les deux en même temps. Voilà. Oui, je sais, je suis pas très douée avec la colle, mais... Donc là, je vais le maintenir un petit peu quand même, parce que ça a tendance à s'écarter. Et on va coller ben, le devant. Et là, on va venir mettre de la colle ben, sur tous les bords. Et là, pareil, on le clip. On essuie un peu quand même. Hop. Logiquement, le truc c'est qu'il faudra avoir plusieurs mains, mais bon. Là. Là. Et là, on va le laisser sécher. Je vais le maintenir un petit peu. Donc voilà, la boîte elle est prête. Bien sûr, on fera de la déco après. Voilà le dos. On rajoutera de la déco et tout après. Mais là, je vais laisser tranquille. Je vais laisser sécher un petit peu. Hop. On essuie si on voit qu'il y a des gros paquets de colle, par exemple. Et voilà. Je vérifie bien. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette première partie vous a plu. On se retrouve pour la suite. Donc ben, les tags, hein, tout simplement, les pages. Je télécharge cette première partie, puis on se retrouve pour la seconde partie. Ben, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.